Excusez-moi. Bonjour tout le monde les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où est-ce que je vous ai présenté. Parce qu'il y en a qui savent pas, et on me l'a dit. J'ai eu le commentaire de Max quelque chose, me disant qu'il ne savait pas, tout simplement, comment installer Fortnite. Bien sûr, vous allez me dire, mais qui ne sait pas installer Fortnite sur PC? Eh ben, il y a des gens qui savent pas. Du coup, faut que je fasse un tuto. Donc, tout simplement, vous allez aller sur le site Epic Games. Donc, vous allez sur Google, Epic Games. Donc, vous allez sur Epic Games. Bah, Store Office. Oups. Non, pas Store. Attendez. On va revenir en arrière. C'est site officiel. Pas Fortnite Battle Royale. Vous faites site officiel. Et voilà. Donc, vous allez cliquer sur télécharger. Comment souhaitez-vous? Donc, vous, on est sur PC. Voilà. Si vous voulez vous connecter avec un compte d'autre chose, mettez PC quand même. Et donc là, vous allez pouvoir vous connecter, créer un compte. Donc attendez, on va traduire la page. Tiens, dis donc. S'il veut. Et donc là, il va falloir entrer prénom, nom, pseudo, adresse mail, mot de passe. Je ne suis pas un robot. Il y a juste à cliquer dessus. Et voilà. Je souhaiterais savoir des informations. Ah, vous acceptez. Ou sinon, vous pouvez après vous connecter par Google. Donc moi, je fais ce que bien sûr. Que je vais faire, je vais juste vous le verrez juste pas normalement, à moins que je sois con, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je me connecte, on attend redirection. Donc là, ça me connectera à mon compte quand j'en sais. Merci d'avoir téléchargé. Si le téléchargement n'a pas commencé, réessayez. Donc attendez, moi je vais juste faire ça, hop, annuler. Voilà, donc là, vous allez cliquer sur Windows. Parce que ça sert à rien de cliquer sur autre chose, hein. Vous n'êtes pas sur iOS, ça, donc vous allez cliquer tout simplement, attendez juste, oui, ouais. Donc vous allez cliquer sur Windows, et ça va le télécharger normalement. Voilà, moi c'est le jeu que j'ai sur ma tablette, voilà, petite pub, voilà. Donc vous le téléchargez, une fois téléchargé, vous n'aurez pas Fortnite, vous aurez le logo qui se situe ici, Epic Game Launcher, vous allez cliquer deux fois dessus. Vous allez attendre. Il faut attendre un petit peu. Surtout pour la première fois. Hein. Parce que la première fois, ça va normalement installer l'Epic Game Launcher, tout ça. Ça va vous demander de vous connecter encore à votre compte. Le compte Epic Game, c'est votre compte Fortnite. Hein. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas. Donc vous attendez que ça charge. Et une fois que ça a chargé, donc ça va mettre chargement, hop. Donc là, ça demande le compte. Moi, comme j'ai pas trop. J'ai pas le compte. Ça m'ouvre une page internet. On attend encore. Connexion ici. Oui. Voilà. Préparation du lanceur Epic Game. Vous attendez encore. Bonjour iOS 9. Parce que c'est mon nom. Promo d'Halloween. On s'en tape un peu. Voilà. Voilà, on peut mettre en plus grand si vous voulez. Donc, vous allez arriver comme ça, vous allez dire, mais où est Fortnite? Vous allez aller tout en haut à droite. Vous allez taper F-O-R Fortnite. Vous tapez Fortnite. Et là, vous avez Fortnite Battle Royale gratuit. Vous cliquez dessus. Vous attendez bien que ça charge. Hein. Là, faut pas faire l'erreur de passer direct. Et donc, normalement, vous aurez le bouton ici, là où est-ce qu'il est écrit posséder. Il y aura écrit, normalement, télécharger. Une fois téléchargé, il s'affichera dans les téléchargements. D'ailleurs, moi, ça fait la mise à jour Fortnite, voilà. Donc, ça, si vous cliquez sur téléchargement, vous aurez l'installation de Fortnite. Et après, à chaque fois que vous voudrez la lancer, quand vous lancerez votre Epic Game, vous allez tomber sur l'accueil comme ça. Bah, soit vous pourrez l'installer directement depuis là où à droite. Ou sinon, vous aurez juste à aller dans bibliothèque et là vous lancerez votre jeu. Et puis vous avez plein d'autres jeux, mais bon, ça sert à rien les autres. Hein. Je vous dis, ils sont pas super. Et voilà comment avoir Fortnite sur PC. Et une fois que tout ça est fait, vous n'avez plus qu'à lancer. Bon, moi je peux pas lancer parce que j'ai une mise à jour à faire. D'ailleurs, je vais la laisser se faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, les gars. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et puis on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.